que tu m'as béni, vous voulez me critiquer. Maintenant que tu m'as élevé, vous voulez me saboter. Tu connais pas le passé déjà, alors il faut pas nous mélanger. Tu connais pas l'avenir déjà, il ne faut pas nous négliger. Seigneur m'a dit, ma fille, faut te calmer. Toi, ton Dieu là, je veux te soulever. Soulever, 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 soulever. Soulever, soulever. Soulever, on a ma mère. Soulever, soulever. On a ma chine. Soulever, soulever. Soulever, soulever. Nous sommes les mères, payons.
petite, allons va doucement. Si tu veux, j'oncle les pinces, madame. Et si le maintenant sont les terminateurs, avec les filles de maintenant, le père, la baisse, ce n'est pas loin. Elles sont les techniques, elles sont la touche, elles sont le coup de rein, le coup de rein, le coup de rein. Elle aime le dragon, elle va la aimer le dame. Quand elle va te jongler, le père, c'est le chaos. La fille a pas de secouer le père, on te la baisse. Papa, oh, papa, oh, allons pas doucement. Papa, oh, papa, oh, va t'en doucement. Papa, oh, papa, le père, la baisse, le chaos. Si tu veux goûter ça, allons va doucement. Tu veux manger la chair fraîche, il faut avoir les dents. Si tu veux croquer le sucre, il faut avoir les bottes. Les filles de maintenant sont des terminators. Avec les filles de maintenant, le père, la baisse n'est pas loin. Les filles de la capitale, le terminator. Les filles des régions, terminator. Même les filles du village, terminator. Avec les filles de maintenant, le père, la baisse n'est pas loin. Ce sont des payons, des pêchons, des pêchons. Hein? Les filles de maintenant, le père, la baisse n'est pas loin. Papa, oh, papa, oh, allons pas doucement. Papa, oh, papa, oh, va t'en tout le temps. Papa, oh, papa, le père, la baisse n'est pas loin. Gentil et Ono, lance-moi les choses. Avec les filles de maintenant, le père, on ne fait pas mal. Les filles de maintenant, le père, c'est le père. Derrière, aimer le bala, le bala, aimer le dame. Quand elle va se souffler, le père, tout le monde. Père, tombé, ou là, c'est là. Aujourd'hui tu vas lire Salam. Père, tu vas confirmer le tout. Tu vas lire Père, c'est juste pour ma tête. Aujourd'hui tu vas le faire. Aïe, 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 de Facebook, si j'ai pris le mec. Bon, appelez-moi mec, quand j'ai pas le temps là, je sors. Hein. Voilà. Appelez-moi ce petit troubadour. Bon, c'est la première fois de l'histoire que je m'assois sur toi. Connexion, connexion. Dépêche-toi, viens me chercher. Avec bois, mes vins.
C'est ma vie. It's my life. Je dis que dépêchez-vous. N'êtes pas assez nombreux. Maman. J'ai aujourd'hui, j'ai fait le... J'ai pris le... Maman. C'est joli quand même, hein? Ouais, faites vite. Ah. Appelez-moi Amen Kamen. Amen Kamen n'est pas important pour vous. Amen Kamen, tu vois? Bonsoir, moi, tiens. Amen Kamen, regardez tout bien ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Oh, je vais te laver, il n'y a personne qui vient me donner au secours. Mais je vais te laver quand même. Parce que des gens comme toi, je ne sais pas ce que je te dois. Quand j'insultais encore les gens ici à Facebook, je ne t'ai jamais, je me suis jamais mis pour t'insulter, mais j'ai besoin que tu as besoin de vues. Mm-hmm. C'est que moi aussi, j'ai ton petit dossier. Mm-hmm. Donc, partagez. Habitez les voisins. Donc, mais ça me fait meilleure chose sur la tête. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est avec ça. Vous savez que j'ai tué les réflexes d'enlever les perruques. Même devant les gens. Hein. C'est après qu'elle m'a fait comme ça. Je dis, hey. Voilà. Bon. Appelez-moi Amen Kamen. J'ai bien. Il a besoin d'un petit rafraîchissement dans sa misérable vie avec sa pauvre femme là. Donc voilà. Appelez-le. Moi je suis en train de laver les habits. Je vais faire une dernière machine. Parce que je ne fais pas les machines jusqu'à 20h ici. Faites vite là-bas. Comme tous là entre la fumée et tout ça, j'ai décidé que je lave tout ça. Bon. Je suis pour quand c'est bien ça. Il me manque seulement les petites fleurs là. Il faut être pour quand t'as. Merci, c'est gratifiant de m'appeler pour quand t'as. Ouais, soyez moins 300, non, parce qu'on part quand même chez une grande star. Hein, niveau de la mère, quand même, c'est une grande star, non. Moi, je voulais dire mes deux mots. J'ai tout mon temps, hein. C'est vous qui êtes pressé. Il y a les experts ce soir. Bon. Je prends, je charge d'avoir mon verre de vin. Je vous attends, hein? C'est vous que j'attends. I am the pet. Merci pour les cœurs. Maman, il n'y a même pas les étoiles aujourd'hui. Étoile, étoile pour Pocahontas. La Pocahontas de Suren. Vous connaissez Pocahontas? La fameuse Angel. Parce que c'est une histoire. Dépêchez-vous. I am so beautiful. It's me. Beautiful. Thank you. Merci pour les étoiles, c'est gentil. Oh. Maman Jackie, si tu veux que tout le monde commence les vrais problèmes aujourd'hui là. Maman Jackie, je t'ai appelé combien de fois? Maman Jackie, je t'ai appelé combien de fois? Uh-huh.
On est tous réunis aujourd'hui. Il y a bonsoir. Parce que quand je commence une histoire comme ça, après quand ça commence, les gens viennent en retard. Vous savez très bien que la voix est en direct. On va parler de Amen Nimbang. Amen Syphilis. Je suis chez Amen Syphilis aujourd'hui. Oui. Vous me connaissez depuis des vous connaissez mes cibles depuis des années ici à Facebook. Hein? Voilà un énergumène, un rate-rate. Je vais voir si c'est bon. Si je suis en train de faire du machin depuis toute la journée. Oui. Ouais. Encore 5 minutes. Je suis en train de laver les couvertures. Après ça, après ça. Mais on a lancé déjà. Activer les étoiles à Google. Groupe d'étoiles. Personne ne met les étoiles. Pourquoi? Parce que c'est la robe joyeuse. Hein? Parce que c'est moi qui ne me donne pas les étoiles. Je ne mérite pas les étoiles. On a dit qu'on donne les veuves et les orphelins. Ma carte les veuves, c'est qu'on ne donne jamais rien là. Et on m'insulte pauvre à Facebook si je ne comprends pas. Hein? Si moi je passe mon temps à vous commander, mais ici à Facebook, vous allez dire que oui, la robe joyeuse commande. Je ne vous demande rien. On a mis les étoiles pour que vous donnez les veuves comme moi. Rien. Et non, vous allez plus voir ma petite fille. Elle vous manque. Ou quand elle n'a manqué là, même elle vous donne souvent les étoiles. Elle n'a manqué, vous manque. Encore 5 minutes là-bas. En tout cas, merci pour les gens qui m'ont donné 110 étoiles. C'est déjà gentil pour vous. Bon. Il y a un monsieur qu'on appelle Amen Kamé ici à Facebook qui passe son temps avec sa bouche qui est longue comme le bicobignac. Avec sa peau frélatée, remplie de syphilis, qui passe son temps, dans ses heures, à ses heures perdues, quand il parle sur la robe joyeuse, il m'insulte. Je demande maintenant que, Amen, Kamer, toi et moi, où? J'ai remarqué ça que tu as m'insulté, hein? Hein? J'aime que tu as m'insulté, alors que moi, si tu connais maintenant Fleur de Lune aujourd'hui, c'est derrière moi que tu connais Fleur de Lune. Hein? Je suis content de faire de l'île, c'est derrière moi. Vous êtes nombreux là, vous allez découvrir, c'est moi qui vous mets en contact avec Fleur de l'île, mais apparemment, vous les connaissez depuis. Mais vous n'avez pas leur numéro de téléphone. Mais moi, je vous donne quand même le numéro de téléphone. Parce que quand tu m'as le numéro de téléphone de quelqu'un, moi, je donne le numéro de téléphone. Moi, je ne veux pas dire pour ce que tu dis, moi, je veux parler un peu de toi. Voilà, maman Jackie. Ah, on a applaudi pour maman Jackie. Merci, maman Jackie. Merci. Amen, quand même, insulte tous les jours, sale femme, qui peut manger ma nourriture, qui commande chez moi. Tu m'insultes chaque jour, je te dois quelque chose. Comme est-ce que tu aimes les belles femmes là? Sache que, hein, au nom de Dieu, même au désert, Amen, quand même, je préfère remplir mes fesses du sable. Comme ça, quand tu vas dire que tu entres dedans comme ça là, ça te blesse. Parce que d'abord, tu es un violeur. Sa femme quand elle est montée là, c'était une Camerounaise, elle s'appelait Nicole. Noire comme ça. Elle fumait beaucoup. Nicole. Hmm? Donc sa femme là s'appelait Nicole. C'est sa carte bleue qu'elle était mariée à un blanc là-bas, elle faisait un peu sa vie et tout et tout et tout. C'est sa femme là. Ce n'était pas une blanche, c'était une noire. Elle s'appelait Nicole. Pas que moi, quand les gens ont dit que la mère comment elle épousait une blanche là, je me demande à où. C'était sa femme, c'était, elle s'appelait Nicole. Mais c'était une femme qui faisait sa vie. Et c'est son mari, c'était Amen Kamer. Et c'est Amen Kamer qui marchait avec sa carte bleue. Parce que le gars là, on dit qu'il adore l'argent. Amen Kamer adore l'argent. Donc c'est lui qui gérait la banque, l'argent de la femme là qui est morte, là, qui s'appelait Nicole. Noir comme ça là. Elle finait comme un pompier. Nicole. Un peu gale comme ça là. Un peu mince, un peu élancé. Dans le 1m70-65, comme ça là. La femme là. C'est marrant que maintenant, je vois que tu aimes maintenant les femmes qui sont un peu claires de peau, parce que celle-là, elle était comme le coussa. Elle était noire comme ça. On voyait seulement, elle était comme un masse africain. On voyait seulement ses yeux. Est-ce que tu avais les riches blancs? Et c'est toi qui payais la carte. Hmm? Donc, tu as déjà tué la fille là. La fille là et sa famille ne voulaient plus de toi. Hein? Tu prenais tout. Tu, et,
elle travaillait, elle était mariée, elle travaillait avec toi. Il a dit que c'est pas comme on dit souvent que les filles qui se retrouvent chez les mains des prosénètes. Parce que Amé Kamé, excusez-moi, c'est fini là, j'arrive. Amé Kamé, c'est un prosénète. Tu bats. J'ai dit que Amé Kamé, toi et moi, aujourd'hui. Je fais d'abord mes. Voilà. Je vais faire comme je me suis. Excusez-moi, sans tenir fait les machines, c'est très important. Bon, très bon. Donc, voilà, Améka. Tu sais, moi, je ne sais même pas comment t'inciter parce que tu fais parmi les gens que ta vie ne m'intéresse même pas. Parce que tu vois, quand je parle de toi comme ça, j'ai même peur que les petits boutons. Comment tu peux avoir des boutons comme ça au visage alors que tu vis en Europe? Il sortait avec une femme ici, où c'était Sanga, où c'était sa femme, elle est morte, elle s'appelait Nicole. On dit que, quand la femme est morte, il a crié que, oh, ma vie est finie, oh, ma vie est finie, oh. Parce que, c'est Sanga-là, il marchait avec la carte de la femme-là. Ou bien il faisait quoi avec, oh. Tu vois, c'est un petit bâtard comme ma mère, quand même, comme ça. Il y avait aussi un monsieur-là, quand il était au Cameroun, il montait souvent l'argent comme ça, les 10 millions comme ça-là. C'est un monsieur. Qu'il a mis dans le Yémiman. Le monsieur là lui a envoyé de l'argent. Le monsieur, quand vous voyez Amé Kamé avant, quand il mettait des vestes, tu sens un souffleteur. Je dis que je ne connaissais même pas la taille de sa veste. Mettez quand même les cœurs hein, quand je parle comme ça. Il ne connaissait même pas la taille de sa veste avec ses. Avec ses maman, il fallait même voir maman. Avec son Dieu, ça lui du temps. C'est quelqu'un comme ça qui va me parler, moi. Peut-être que même si je suis, même si je suis sorti avec les hommes, mais quand même pas ta qualité. Tu le savais quoi avant? On dit, en tout cas, va chez Bam sang là-bas, tu prends le dansant. Regarde-moi, j'ai une belle peau. Même quand il y a un peu de fricate, ça, c'est même pas grave. Mais quand même, j'ai une belle peau. Je n'ai pas de cicatrices, je n'ai plus. Même mes pieds sont nyanga. Tout est nyanga. Tu es une stable, tu n'aimes pas sang. Tu vas voir comment ta peau va être. Et je demande à toutes les femmes qui me suivent là que. Hein? Allez, utilisez Star Beauty. Ça, c'est vraiment ce produit est vraiment très bon. Moi, ça me va. Hein? Moi, ça me va. Oui. Donc, voilà. Pour la publicité de Parmesan. Maintenant, on revient chez Amé Kamé. Amé Kamé, quand tu me regardes, tu vois la souffrance ou sur moi? Je souffre comme tout le monde souffre. Oui. Vous savez qu'il y a une autre chose dans la dépression. Est-ce que tu ne sais même pas de la dépression? Parce que la dépression, c'est pas que tu parles à l'hôpital. Hein?
Tu restes comme ça, parfois tu ne veux pas te lever sur ton canapé. Tu ne veux rien faire. J'ai su que j'étais en dépression un jour ici. J'avais mis un film sur Netflix. Sur Netflix ici. Aïe! Je n'ai pas dormi pendant 2 jours. J'ai dit que c'est ça que je faisais comme ça là. Vous regardez le film là. J'ai dit que merde, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je te fais? Toi, c'est ça, c'est la dépression. Parce que je pouvais arrêter le film, aller faire ce que je voulais faire. Mais non, moi je ne voulais pas arrêter. Moi, je ne voulais pas arrêter ce film-là. Il fallait absolument que je m'en vais. Je pars au bout de l'histoire. Et c'était les petites séries que tu ne peux pas. J'ai dit que c'est comme les Alexis Carrington de l'époque. Il y a toujours quelque chose qui arrive, il y a toujours quelque chose qui arrive. Donc, alors que je voulais mettre stop, je n'ai pas fait mes choses, je reviens continuer. Mais non, mais moi, je voulais regarder la série qui a duré pendant 2 jours. J'étais là, comme un zombie. Attendez-moi, vous êtes là. Merde. J'ai compris que non, c'est pour ça que moi, je ne regarde pas Netflix. Pourtant, mes enfants m'ont mis le code de Netflix ici. Je peux regarder tout ce que je veux, mais je regarde mes anciens films de YouTube. Ou bien je mets un film, mais moi j'ai beaucoup de films que je peux mettre. Tu entends donc? Donc ta dépression que tu as là, Amère Kamère, ne la mène pas sur moi. Tu entends non? Ne la mène pas sur moi. Tu as tué un possénète. Tu as pris un monsieur presque 100 millions. Il a presque perdu 100 millions de francs CFA. Donc 100 millions qui fait dans les combien de millions de. Qui fait dans les 200 000 euros. Oui, dans les 150 000 euros, c'est ça, non? Ou c'est 200 000 euros, c'est ça, non? Dans les 160 000 euros, quand même, 100 millions de francs, c'est pas. Ah! C'est pour ça que vous voyez, maman était devenue, il avait commencé à mettre les vestes sur mesure. Il parlait, il y a mis mal, matin, midi, il soit, il y a mis mal. Où la famille est finie, oh, chaque billet, il y a mis mal, tous les jours. Moi, je billet, mis mal. Quand les types, 165 000, hein, c'est ça. Je connais, non? Ah. Et Waros. Donc, quand il fait que vous entendez ici, alors, c'est comme ça, alors que, quand le dernier coup de billet, mis mal, qu'on a décidé qu'on ne parlait plus de ça à Facebook ici, là. Maman. Ah, mais quand même, a fait le coup. Au type, là. Le coup. Tu sais que le type est mort. Oui. Non seulement que sa copine là, toujours quand elle était au Cameroun, hein, sa copine avec qui volait l'argent là, des blancs là-bas en Côte d'Azur et tout ça là, dans la prosélytisme et tout ça, elle est morte. Ils ont dit qu'il a crié au Cameroun que, wow, mais wow, qu'il est mort, oh, qu'il est mort. Après maintenant, c'était maintenant le vieux type là. Parce qu'au début quand même, Yébimak, parce que Yébimak c'était à l'heure. C'était que, bon, comme les sociétés écran qu'on crée là, c'est-à-dire qu'au début quand même, vous mettez ça, vous avez quand même un peu quelque chose. Oui. Au fur et à mesure, on vous demande de mettre toujours l'argent. Et tu connais les vieux du Cameroun là. Il est là, maman. Peut-être 5 millions, il tombe comme ça chaque mois. Il est content, non? Au fur et à mesure, il ne fait qu'ajouter plus. Les choses ne fait qu'ajouter plus. Jusqu'à qu'il se retrouve que. Mais attends, c'est qui? Attends, j'ai un souci. Oui, allô? C'est quatre. Pardon? Quoi? Mais je suis en direct là. C'est quoi ton problème? Tu m'appelles depuis aujourd'hui. Tu me demandes de te débloquer. J'ai cherché, je n'ai pas pu te débloquer. Et maintenant, je suis en client. Mais lâche-moi, je vais te débloquer si je veux. Si tu continues comme ça, je te débloque pas. C'est quoi ton problème? T'es amoureuse de moi ou quoi? Mais tu me laisses finir mon direct? Comment? Et vous me dites, vous me donnez quoi? Vous-même, vous partez souvent m'insulter. Et je vous bloque. Vous commencez maintenant à crier, pardon madame. Débloque-moi, je dis maman. Les gens qui le bloquent maintenant, ne débloquent plus personne. D'ailleurs, j'ai demandé d'abord, je suis pour commencer même. Dis donc, c'est même quoi ça? Tu veux me faire? C'est même, c'est quoi avec vous? C'est vous qui êtes toujours là. Quand vous partez, quand si je bosse sur ma soeur, m'insulte là-bas, vous partez m'insulter. Mais c'est là-bas que moi je vous vois là-bas et je vous bloque. Vous croyez pas que vous allez venir chez moi, que c'est chez moi, je vous bloque partout. Abstenez-vous. Vous passez votre temps
Allez chez Kankam. Vous m'incitez là-bas. Je vous bloque. J'ai pris votre nom, je vous bloque. Oh. Maintenant, vous devenez comme les chats. Madame, aidez-vous comme moi. Pour que je te débloque, vous venez faire quoi? Je te bloque, je t'accepte même pas ton amitié. Parce que c'est comme si on t'a seulement envoyé. C'est quoi ton problème? Laissez les gens vivre. On va dire, être star, c'est un problème. Moi, voici ici, je suis. On a demandé, on a déjà activé les étoiles ici. Je n'ai que 630 euros. Je n'ai que 6,30 euros. Oui. Si j'ai 6,30 euros ici, ça veut dire que je veux finir la fin du mois avec. Donc, il faut absolument que j'arrête mon direct pour aller regarder qu'elle m'a envoyé la demande d'amitié doit accepter. Tu me regardes là, tu regardes-moi très bien. Tu sais avec qui tu as fait là. Mbap. J'ai le droit de vie ou de mort. Ici dans mes directs. C'est moi qui choisis. Tu sais le nombre de personnes qui attendent, c'est moi qui accepte ce moment-là. L'invitation, vous me regardez. Vous donnez d'abord quoi? Rien. Vous me donnez quoi? J'ai quoi? Donc, Amé Kamé, c'est un bandit, c'est un bâtard. Donc, autour de lui, il y a déjà eu la Nicole qui est morte. Le vieux père là, le vieux Bimal est mort. Sa notre copine, Edaï. Oui. Alors que vous entendez si. Donc, Oshiga. Et puis, j'ai demandé que, mais, apparemment, il y a quelque chose que les gens meurent autour de lui. J'ai dit que, mais, les gens, eux, ils partent pour se laver le corps, pour avoir le bonheur. Lui, il parle avec le corps pour escroquer les gens. Parce que tous les gens qui escroquent, on dit que quand ils t'escroquent, jusqu'au dernier centime, Amé Kamé ne te lâche pas. Et que jusqu'au dernier centime, Amé Kamé te finit. Et les gens, quand il envoie les gens au bord du précipice, que allez seulement mourir une fois, les gens se suicident seuls. Ça fait trois fois, hein. Les gens là sont morts depuis qu'il est arrivé ici. Ça fait un an qu'on a mis Amogoboli en prison ou deux ans. C'est là que ça a commencé. C'est pour ça que vous le voyez. Quand vous voyez Amé Kamé, regardez son visage. C'est déjà creux ici, creux. Il est seulement un cadavre. C'est un spectre de la mort. Tu parles à qui? On t'a dit autour de moi, j'ai tué quelqu'un. Peut-être mon mari, monsieur Degrimont, peut-être, hein, que j'ai tué avec la hache, comme vous avez dit. Ça me fait quoi? Moi, j'ai tué mon mari avec la hache. Ça fait quoi? C'était mon mari que j'ai tué. Lui et moi, on va arranger ça là-bas. Lui aussi va m'attendre là-bas avec la hache pour me tuer aussi là-bas quand je vais arriver là-bas. Mais je ne comprends pas. Toi, tu te permets tous les jours, tu m'insultes. Tu insultes qui? Je suis dans votre domination des vues ici à Facebook. Hein? Les vues, moi, j'ai fait mes petites vidéos, je m'en fous des vues. Que j'ai mes 2 000 vues, mes 3 000 vues, je m'abandonne ma part. Que me donne les étoiles ou pas haut, je parle ma part à Facebook. Je ne vous demande rien, je ne suis pas comme vous. Vous et moi, on n'est pas pareil. On n'est pas dans les mêmes endroits. Moi, je veux la tour Eiffel. D'ailleurs, il faut me connaître la rendez visite aujourd'hui. Là. Je veux ma tour Eiffel ici. J'ai mes deux amis. Voici mon ami ici. Voilà l'autre ici, ma télé. Voilà mes deux amis que moi j'ai dans ma vie. Avec qui je m'avais dit chaque jour. Hein? Ah, mais quand même, je te dois quelque chose. Hé, hein? Notre tour Eiffel dans le milieu. C'est dans le brouillard. Et ta tour Eiffel. Voilà notre tour Eiffel là-bas qui est dans le brouillard. Regardez. Je vis dans un endroit paisible. Comme je vis là. Regardez. Ah mais quand même, voilà ma tour Eiffel qui te dit bonsoir. Hein? Parce que je ne te comprends pas. Tu t'assois chaque jour. Tu m'insultes. Chaque temps, tu m'insultes. Chaque temps, tu m'insultes. Tu m'insultes pourquoi? Je suis misérable, pauvre, veuve. Et puis ça change quoi? Tu sais pas qu'il y a les veuves qui souffrent plus que moi. Il y a les veuves qui souffrent plus que moi, hein. Moi, je te dis. Qui souffrent plus que moi où je suis ici. La vie n'est pas facile, hein. Hein? Tu as combien de personnes autour de toi? Hein? Ah, mais quand même, tu as tué combien de personnes autour de toi? Tu as entendu que j'ai tué quelqu'un? Chaque jour, c'est de sirène là. Ah, ben sirène, ah, ben zaba, tu m'insultes pourquoi? Va consoler Gospit. Apparemment, elle perd l'argent. Parce qu'elle veut que les abeilles continuent son litige.
C'est là, c'est comme ça que les femmes là sont. On t'a dit que je suis pareil. Regarde. Le jour que je vais quitter ici, je peux aller vivre avec un vieux blanc, mais je ne quitterai jamais ici. Parce que je vais me battre pour rester ici dans ma maison ici. Je dis que je vais me battre pour rester ici à vie. Je ne te mens pas. Même si je m'en vais vivre ailleurs, je vais toujours ma maison. Si je ne peux pas laisser ma maison. Hein? J'entre à l'intérieur. Je ne te comprends pas. Toi, dans ton palmarès là, il n'y a que le faux. Tu ne vas plus à Evry Gagan, pourquoi? Il faut aller à Evry Gagan. Tu ne vas plus à Evry Gagan. Il faut aller à Evry Gagan. Tu pars à Evry Gagan. Vraiment. Je ne sais pas. Ma prostitution, tu m'insultes, tu ne joues pas. Tu sais, je ne sais même pas. Parce que tu sais, les gens que la mort rôde autour d'eux, moi, je n'aime pas trop. Parce que tu es tellement méchant. Tu me parles, moi. Moi, j'ai quand même une petite chose, hein. Mais tu entends, non? Toi, Amen, quand même. À part le village de Mandoumbala, les poulets sont où aujourd'hui? Il faut nous dire où sont les poulets. Mais je veux savoir un peu, hein. Où sont les poulets? Les poulets sont où? Oh, il me poulet à canard. Il était devenu un vrai fermier. Un millionnaire fameux. Maman, parce qu'il se posait comme un millionnaire. Un fermier millionnaire. Et c'est comme ça que toutes les femmes étaient tombées amoureuses de lui. Regarde-moi les Edith Kamdoum. Oh, regarde-moi quand tu vois leur beauté. Et tu regardes le Sidéen, si. Les femmes comme ça qui courent. Regarde là les modestines, tchatchouam. Regarde les fleurs de l'île. Regarde les merde. Pour flammer encore à fond. Est-ce que quand même je suffis? Mais ce n'est pas ce que moi j'ai vu. Bon. Regarde les Oshiga. Mais regarde. Ou bien tu as quoi là-bas en bas haut? Ou c'est les 53 cm là que les gens, que les gens veulent seulement. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est quand même marrant, hein? Chez là, qui boxe au Chiga à cause de toi. Il y a l'autre là aussi là-bas, TikTok qui a dit que tu es son gars. Vous allez vous marier. Je suis arrivé en retard. Souvent ça fait comme ça. Toi, je ne sais pas. Mais tu ne m'attends. Quand je cause avec toi, tout le monde avait les trucs cordiales. Tu vois que quoi j'oublie. Quand tu envoyais nos échanges ici là et que tu mettais dans ta page là, moi je vois. C'est pour ça que Facebook, si, hein, il ne faut pas dire que tu avais telle personne. Personne avait personne ici à Facebook. Je me souviens. Quand t'envoies, mais quand nos échanges entre elle et moi, elle t'envoie là pour que tu te moques de moi. C'est pour ça que tu te moques de moi aujourd'hui. Mais moi, comme j'ai dit que l'année-ci, hein, l'année-ci, il y a des gens même que je dis qu'il y a l'année-ci, que je ne veux même pas croiser quelque part. Je reste dans mon coin. Facebook, ce n'est pas seulement le côté camerounais. Je vous ai déjà dit. Les soirées camerounaises ici. On a vu Nyandom dans une soirée camerounaise ici à Paris. On a vu ta petite souris qu'on appelle Oshiga là. Oshiga sort parce que c'est toi maintenant que tu l'amènes un peu quelque part. Si ce n'est pas toi, Oshiga pouvait sortir. Tu es où avec elle? Je ne comprends pas votre. Je ne comprends pas comment les gens font leur vie ici. Hein. Toi là-bas, la bouche, po, ah, t'es en forme. Elle là-bas, oh, elle porte la civière, oh, parce qu'une femme l'a dépassé, massa. Comment quelque chose ici à Facebook, hein? En tout cas, c'est pour vous là-bas. Donc, moi, je ne sais même pas par où t'insulter. Mais toi, tu peux m'insulter parce que parfois, à ce que le consac, les gens m'ont souvent enregistré, on t'avait envoyé les consac, les gens enregistré, je ne sais pas de qui on parlait et tout ça. Je me souviens de cette histoire. Donc, tu ne. Mais vous savez, c'est le seul. Sans vous mentir, hein. C'est la seule personne que, où je suis signé. Je n'arrive pas à insulter. Parce que ça, il ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas ma tasse de thé. Ce n'est pas du tout quelqu'un que je veux m'intéresser. Moi, je ne m'intéresse pas trop à lui, hein. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai mon argent à mettre. Je prends tout quand je veux mettre la photo comme ça. Non, je prends ta photo, je mets la musique. La musique, on donne même 2 euros. Même 3 euros, c'est ça. Vous voyez les musiques que je mets là, les vidéos que je mets là, je fais quoi? Je gagne mon argent dedans. Mais oui.
Oh, merci, Asta. Dis bon merci. Oh, maman, moi, j'ai quand même eu 10 euros. Eh, auntie. Après combien de bavardages? Mais moi, je ne me comprends pas, hein. Parce que moi, je sais que j'ai insulté par mes sens propres. Ah oui. Oui, moi, c'était la guerre. Du camion est passé. De comment Mougou est passé. Mais la seule personne que je n'arrive même pas à insulter, même Nivaki n'est passé dans mes mains. La seule personne que je n'arrive pas à insulter, c'est toi. Parce que je sais, tu ne m'intéresses pas du tout. Je ne te mens pas. Mais c'est vrai. Hein? Tu ne m'intéresses pas du tout. Moi, je n'aime pas insulter les gens qui sont autour d'eux. Il y a toujours les morts autour d'eux. Il y a toujours les morts autour de vous. Autour de vous, il y a les morts. Attends. Voilà mon son, le vieux père là qui est mort au Cameroun là-bas. Parce que tu l'avais mis dans le Yébiman. Le Yébiman, on dit qu'on ne parle pas. Moi, j'ai dit que, ah. La fille qui te donnait, que tu as rencontrée, qui avait aussi les bars à champagne comme ça, elle était une fille noire, camerounaise. Elle était mariée en blanc divorcée. Je crois que tu t'es mariée avec elle. Elle s'appelait Nicole. Tu n'as jamais été, tu n'as jamais épousé une blanche un jour. Tu n'as même pas des enfants. Tu n'as que d'enfants. Il y en a qui n'ont pas d'enfants, hein. Oui. Amen, quand même, vous êtes. Non, Amen, quand même, c'est. Amen, quand même, c'est un ventre muet. Il n'a pas d'enfants. Amen, quand même. Tu dis que tu. Amen, quand même, n'a pas d'enfants, hein. Il n'a aucun enfant. C'est moi qui vous dis. Oui. Parce que tous ses amis, que. Bon, parce que vous savez que ça parle aussi, hein. On dit, mais attends, il a les enfants avec qui? Et si là, on dit qu'éventuellement, si les enfants, ce sont les enfants noirs, il n'a pas les enfants métis. Que la femme, quand on dit que, oh, qu'elle est divine, ce n'est pas, elle s'appelle Nicole, c'était une Camerounaise noircirée comme ça. Oui, noircirée. C'est elle qui était sa femme. Qu'elle avait épousé. C'est elle qui voyageait partout, partout, avec ses blancs. On appelle les pays là, comment là? Pas les pays là. En France, mettons pour les thèmes là. Et ben, les gens là, chez les Antillais là-bas. Mais oui. Vous comprenez l'histoire? Vous commencez, vous comprenez là où ça va venir là, cette histoire? C'est tout. Vous, depuis que vous êtes ici à Facebook, vous avez jamais la soeur d'Amen Kamen, le frère d'Amen Kamen, son père, sa mère, peut-être qu'elle avait montré Mandumba là-bas. Hein? Mandumba que, Amougoumini a payé. Après tous les terrains qui sont là, il est parti comme ça, vendre tous les villages. Oui. On regarde Mandumba. Mandumba se trouve et répertorié ou dans un village au Cameroun. Non. C'est toi qui es parti construire les petites maisons. C'est les petites maisons que quand tu passes là comme ça, tu vois comment un petit vieux, il est là comme ça, assis avec un tout. Sa femme est là. Pour regarder. Tu demandes que celle-ci vivant. Il veut manger même quoi. Qui le donne à manger. En bas d'un an, et mon est bon, ma telle mon est bon. À telle, un moment, John a foulé dessus. J'ai dit, dans un petit, tu vois, un peu, ils sont là comme ça. Ce sont les voisins même qui quittent même à 2 km chaque jour pour venir peut-être préparer le pain. On les donne. Ou les Mintumba. On va donner les Mintumba là avec le, comment on appelle ça. Et tu viens me parler que tu me connais où? Tu as menti, tu n'as pas d'enfant, Amen Kamen. Oui, tu n'as pas d'enfant. Et la pauvre Nicole, quand tu parles, c'était une Camerounaise, une noire, qui est morte d'aimant. Elle est morte quand tu étais au Cameroun. Nicole, noire comme ça. Oui, avec elle était. Je la connais même cette fille. Oui. Elle fumait comme un pompier. Peut-être que c'est bien ça qui l'a tuée. Enfin, tout le monde fumait, mais tout le monde a sa façon de fumer. Elle est morte, Queen. Elle te supplie, Amen Kamen, je peux avoir ma carte. Je peux avoir ma carte. Ou bien tu la tenais où? Ou tu la tenais, ou tu la mettais le chantage où? Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la femme là. Non, il n'a pas d'enfant. Amen Kamen n'a pas d'enfant, hein. Il n'a pas. La femme là, Nicole, c'est une noire, c'est une Camerounaise noire. Elle est morte derrière là. Oui. Parce que si ce n'est la femme est d'abord morte quand elle était au Cameroun. Après, il y a eu le problème de Yemi Mal. Non, il y a d'abord eu le problème de Yemi Mal. La femme est morte. Et après, maintenant, on a arrêté. Après, maintenant, on a arrêté Amoukbolinga.
Il a fui le Cameroun. Là, là, là. Il s'est retrouvé ici. Oui. Et comme il a pris des bordels camerounaises là, il les a pris pour aller travailler chez lui là-bas. Alors qu'avant, quand il faisait ces choses avec les petits Nigériens là, avec d'autres filles, ça allait. Dès qu'il a pris les filles camerounaises là-bas, la concurrence et tout, voilà, maintenant on a pris Evie Gaga. Et c'était au nom de Nicole. Parce que c'est Nicole qui avait fait au niveau de la maison là. Nicole n'a jamais été une blanche. Vous savez que regardez bien, mais quand même. Pourquoi il tourne toujours autour des filles camerounaises, autour des noirs? Moi, je connais les petits gars qui sont comme lui ici. Maman, ils ont tous les petits vieux, maman, ma tête là. Les petits vieux, il y a les petits vieux ici partout. Tu le vois, tu as vu la main quand même avec une blanche un jour. Il a tué ta vie des noirs. Et c'est celle-là alors qui est morte. Il n'a pas d'enfant. Par exemple, je me suis renseigné que, mais, on dit que, mais, non. Nicole, ce n'est pas une blanche. Hein. Nicole, c'est une noire. Une Camerounaise qui est morte ici. Oui. Eric Titi, fais attention. Mais parce que sa femme était noire. Ben oui. Pourquoi? Il y a une noire et une noire. Il y a les noirs marron. Il y a les noirs métis. Il y a les noirs. Oui. C'est pour le rappeler la mémoire. Oui, sa femme était noire, comme ça. Et vous savez qu'à l'époque, les blancs la aimaient trop. Donc, et puis, c'est une femme qui avait, elle était plus âgée que lui. Et vous savez qu'à l'époque, quand tu n'étais pas noire comme ça, là, c'est, les blancs n'aimaient pas trop les nos couleurs bizarres. Si, les blancs aimaient trop. Vous voyez un peu, c'est une vieille femme. Elle n'était pas antillaise, hein, mais elle voyageait beaucoup aux Antilles. Ah, mais quand même, elle n'a pas d'enfant. De comment vous un peu. Regardez, du Camé a les enfants. Du Camé a les enfants. Comment on appelle ça? Pas me sans les enfants. Pour citer un peu ceux qui sont sur Facebook. Comment on appelle de comment vous les enfants. Toi, alors, sont tes enfants. Ventre muet comme ta soeur qui crie là-bas avec ça. Le ventre muet. Une grosse pute. J'ai dit qu'il y a un. Qui s'assemble se ressemble ici dehors. Qui s'assemble se ressemble. C'est vraiment bâtard comme ça chaque temps que Dieu a créé. Oh, veuve joyeuse, Mélastico. Tu me dis pourquoi je te connais. Pourquoi tu sais que tu n'es pas tout intéressant pour moi. Parce que apparemment je t'intéresse beaucoup. Hein? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on me dit que tu me dis pourquoi. Tu m'insultes pourquoi? Hein? Les hommes sont devenus dans les réseaux sociaux. Les papas congossa. Les papas congossa. Vous n'êtes plus les patriotes. Vous ne vous battez plus avec la brasse. Maintenant, vous êtes tous devenus les stars des réseaux sociaux. Voyez, à quoi ça? Maïmon, dis-moi, Maïmon. Je te connais même pas. Tu les dernier des déniers, c'est pour ça. Vous savez, moi, j'ai des gens que parfois, je dis que non, aujourd'hui, à toi et moi, on finit. Sérieux? Ben, c'est vrai. Parce que moi, je ne me vois pas. Je ne me vois pas là. Je vous donne. Ta vie ne m'intéresse pas. Et moi, je n'aime pas les spectres. Quand il y a déjà un problème, que, hein, ça tourne comme ça quand tu entends qu'il y a les morts à côté. Moi, je sais que j'ai tué mon mari avec la hache. Ça me suffit. Le reste là, en dehors de mon mari que j'ai là, je n'ai pas tué quelqu'un. Ici à Facebook. Ha! Tu te lèves le matin comme ça, tu m'insultes. Et tes petits machins, les petits bordels qui rêvent, maman, parce que parfois, hein, faut voir quand il se lève le matin. Il rase sa tête. Une tête même qui n'a même pas les cheveux. Il met comme un chaque temps, il rase. Tu rases quoi? Tu vois, à force de raser, il faut faire tu rases quoi? Je ne comprends pas parce que tu rases. Et il monte ses pectoraux. Et vous savez que la zachée ici, les filles sont là. Tout le monde rêve de 53 cm, franchement. On te parle du camp pénétrant 53 cm, on met le, comment on appelle ça, la bague sur ça. Que ça ne doit pas continuer. Si ça continue, ça tue quelqu'un. Il est venu s'asseoir ici à Facebook. Chaque matin, il nous montre comment. Mais il va faire la publicité de Brown ou de Zabazabaza, la publicité des riches là, non? Il
Et que tu ne fais plus de taxi. Tu ne travailles plus. Maintenant, c'est à TikTok. 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 Maman. On va t'en sortir ici, là. Non, mais il y a des gens ici à faire le truc. Papa, tu me lèves quand tu dis que les gens encore fait quoi sur ici? Les gens sont là. Hein? Je veux 400 personnes. Je veux 700 personnes, maman. Donc, vous exigez que les gens viennent regarder vos vidéos. Maman, même si moi j'ai même deux, j'ai 100. Ah, vous connaissez que moi d'abord, ou j'ai 100 ou 300, même si c'est 2000. Quand j'ai filé ma vidéo, même si les 10 000, allez, pas, je ferme ma vidéo. Je n'ai pas besoin de vues. Je fous quoi avec? Je sais que les gens vont dire que non, là, vous allez faire un bon petit direct hier. Et vous allez venir vous asseoir dans mes vidéos. C'est tout. C'est quoi? Parce que moi, vous savez, il y a un problème. Comme je vous dis, je vous répète quand même. Moi, je ne sais pas comment faire même pour insulter à mes caméras. Parce que il ne m'intéresse pas du tout. Il n'a pas d'attraction. Il n'est pas attractif pour moi, quoi. Moi, je préfère encore du caméra. Il est sociable. Je préfère des commandes sociales. Je préfère tous ces gens des réseaux sociaux. Mais lui, moi, je ne veux pas. C'est comme si quand je parle de lui, j'ai des frictions. Par exemple, menton. Je peux même encore donner avec la bouche du caméra que lui. Toi là, maman, tellement que tu es mauvais, hein, ici je dis que tu ressembles, tu manges même à ta faim. Ou alors ta maison que tu as conçue au pays, avec les billets bimal, tu as fait quoi de bon au pays? Parce que vous êtes là comme ça là, vous venez insulter des pauvres gens comme moi, donc moi je t'ai jamais rien fait. Je sais que moi-même, je ne suis pas facile, je suis malhonnête, je sais, comme j'ai toujours dit. Mais, je n'accepte pas comme un bâtard comme ça, un rien, ton vaurien, que même élever les poulets, l'a dépassé, il vient s'asseoir des réseaux sociaux. Ton village de Mandou Bala est répertorié où? C'est dans la carte. Tu as vendu ton village à Mouboliga. Pourquoi tu ne montres même pas ton village là? Hein? Montre ton village non? Donc il n'y a personne là-bas que tu peux envoyer filmer pour ton petit village là. Mandouba, tu nous filmes un peu pour voir à quel niveau les poissons, les kangas sont déjà à ce niveau-là. Tu nous filmes à quel niveau les poulets sont déjà. Parce que si les poulets restent là depuis que ce sont enfermés, ils vont devenir comme les dindes. Hein? Vous savez combien d'années que ce poulet que tu es ici? Les poulets sont. Mais toi-même, tu n'avances pas, ce n'est pas concret. Toi, c'est seulement pour les fesses. Il faut les voir leur bêtise là-dedans, les TikTok là-bas. On parle que les cuits de la femme, on dénigre la femme. Maman, ils sont tellement heureux le jour-là. J'ai dit qu'il faut les voir. Jusqu'à payer, ils ont. Moi, mais je veux que je paye aussi ma part de micro. Hein. Oui, je veux payer le micro. La semaine prochaine. Moi, je ne comprends pas, hein. Ça vous mentir. Le discernement, la façon que certaines personnes ont. Mais attends, une comme moi, vous savez, moi ça me dépasse, vous savez, je suis un peu dépassé parce que, excusez-moi, parce que moi, ce mec, je ne le connais même pas. Mais lui me connaît, pardon. Mais attends, je veux savoir ce que je ne peux pas chez moi, mais viens, comment la nourriture? Tu dis, je vais te recevoir ici, bien. Tu m'insultes chaque jour que j'ai créé, tu me dénigres chaque jour, je sais quoi. Mais abstiens-toi un peu. C'est pas moi qui a tué ta copine, hein, Nicole. C'est pas moi qui a fait que tu n'aies pas de sperme pour accoucher les enfants, hein. Parce qu'à ton âge, si moi j'ai 48 ans, tu es mon grand frère de très loin. Donc tu as quel âge? À quel âge? Tu n'as pas les enfants, tu n'as rien. Et tu viens de perdre, tu manques. Oh, Nicole. Non, Nicole, c'était une Camerounaise, une Douala, qui est morte. Hein? Ah! Je te dis! Les étangs de poissons, oh, les champs de cacao, oh, et je te dis que. Et puis moi je le surveillais quand il était au Cameroun et moi. Ça me. Tu vois, est-ce que vous savez que depuis qu'il a commencé à faire sa ferme là, il a donné les idées à beaucoup de Camerounaises, hein? Beaucoup, hein? Beaucoup de Camerounaises, elles ont investi dans ces histoires d'agriculture, hein? Oui, tel élevage de porcs, élevage de dindes, de poulets. Parce que les poulets de la mer, comme ça fait longtemps même là, je suis sûr qu'ils sont.
Ils sont là devenus les dindes parce que les poulets, oui. Oui, les poulets, quand ça dure longtemps, parce que les poulets ont une durée de vie, hein. Ça ne dépasse pas un an, hein. Ça dépasse un an, c'est plus le goût. Ça dépasse, ça, oui, ça devient comme la dinde. C'est vrai que chez nous, nous on avait tout, donc, au village là-bas, chez ma grand-mère, de côté de ma grand-mère que je parle, hein. On élevait le, on avait les bêtes, les chèvres, les moutons. Les moutons, on avait les moutons, les chèvres, le porc. Un petit. On avait le porc. Vous savez que pour finir, je ne vais pas plus manger de porc. Hein. Parce que j'étais petite. On avait un porc éduqué. Hein. Aïe. Qu'on avait tué le porc là. J'ai dit que j'ai pleuré. J'ai dit que je ne mange pas. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé. Donc, c'est pour ça que quand on fait les élevages, n'élevez jamais des animaux domestiques à côté de vous. Parce que, vous savez, c'était un peu... même les chiens, même tout ça, là, quand vous êtes déjà habitué avec tout ça, ça devient comme un membre de votre famille un peu. C'est dur, hein. Oui. Voilà, il était petit comme ça, il a grandi. Et il marchait comme ma grand-mère. On l'appelait comme Maman Madé. Maman Madé. Maman. On a tué Maman Madé. Ah, oh, merde. Non, j'ai fait mon moment sans manger le porc. C'est pour ça que moi, ici, pour manger le porc, là. Mais attends. Tu as fait une bonne voix. Je te dis que je peux te dire que félicitations quand même, mais quand même. Hein. Sans te mentir que, sans te mentir, tu as quand même ouvert la voie à beaucoup d'autres Camerounais, maman, parce qu'elle ne peut pas. Si tu sais le nombre de Camerounais qui ont commencé à faire les. Même la milliardaire Patrice Samel. Mm-hmm. Même elle aussi, Patrice fait son, ses poulets. Mm-hmm. Même Loël Mengossé a fait ses poulets. Lui, il y a beaucoup de gens qui sont investis dans l'histoire de poulailler, là, dans les histoires de l'agriculture et tout ça. Grâce à toi, parce que ça donne l'argent. J'ai même aussi une de mes soeurs. Avec qui je ne parle plus aujourd'hui, qui se comporte très mal, avec qui je ne parle plus aujourd'hui, qu'elle aussi, elle élève même les cailles. Une personne qui a l'argent, parce que ça donne l'argent, mais il faut vraiment les soigner, parce qu'il faut la pourvendre et tout, et tout, et tout. Parce que moi, j'ai même que parfois, j'ai même fait ça. Oui. Mais je vais faire ma part autrement, à ma façon. Mais oui, moi, je veux faire à côté qui se lève. Eux-mêmes, ils peuvent manger dehors, là. Le soir arrive, ils partent à l'enclos. Oui. Comme ça que moi je vais les élever. Hé, hey, maman des porcs. Les porcs, têtu. Oh, ouais. Non, mais. Parce que maintenant, là, vraiment, Amek, si c'était vraiment pour toi, mais. J'avais dit l'histoire, c'est que, Amek, quand même, ce n'est pas pour toi que c'est pour moi, mon là. Tu as dit que, oh, j'ai dit que oui, c'est parce que tu me détestes. Oui, bah, c'est moi qui ai eu la super chérie. Parce que j'ai vu les enclos, les poulets. J'ai dit que les gars, si tu as pris l'argent où pour pas. Ça pourrait être aussi pour toi, pour l'argent de billets mal. Mais comme aussi, avec tout le mal que tu as fait aux gens, avec le vol que tu as fait aux gens, c'est sûr que les familles aussi ont récupéré tout ça. Oui. Parce qu'il y a un monsieur qui est mort, hein. Un vieux père qui est mort, il a dépensé 165 000 euros. Donc il fait dans les 100 millions. De France, c'est ça. Oui. Pour ton histoire de rien du mal là. Je suis sûr que c'est ta famille qui est venue récupérer tout ce que tu avais. Je suis sûr. Si ce n'est pas Mboubouli qui a récupéré, est-ce que c'est la famille du gars là? Mais attends. Arrête un peu, hein. C'est moi qui suis l'échec de ta réussite. C'est moi qui ai fait l'échec. C'est là ce que tu deviens. Tu es blogueur, tu es blogueur, vous bloguez même d'abord quoi? Moi-même, je ne suis pas moi blogueur, moi je suis moi à Facebook, moi je fais ma page de trucs à Facebook. Hein? C'est quoi? Moi j'apprends aux gens à insulter, c'est ça être blogueur. Parce que moi-même, j'ai appris à insulter à Facebook. Hein? En tout cas, Ngossa a fait quoi là-bas? Quand Ngossa a pleuré. Et puis à sa mère, Mbap. Je n'ai encore rien vu, Ngossa.
Tu n'as encore rien vu. Je vais étudier ton cas. Je vais étudier le cas de Ngosput. Je vais étudier ton cas. Parce que je suis que demain. Vous allez m'excuser hein, de que cette vidéo tombe comme ça parce que je n'arrive pas à entrer. Tu sais, sa vie ne m'intéresse pas du tout, quoi. Ça, c'est la vie d'un mec quand même ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà. Parce que tu ne me vois pas chez toi. Moi, j'aimais quand tu me montais encore de Mandumba. Tu me montais la vraie vie du village. Moi, il m'intéressait, hein. Pas, il m'intéressait pas parce que c'était pour sortir avec lui, pas du tout. Mais moi, c'était un. C'était extraordinaire, un blogueur qui quitte la forêt, qui va investir au Cameroun. Il nous montre la forêt. Tu vois un peu, c'est. Oui. Il nous montre la forêt, il nous montre les champs, comment il va aux champs, comment lui-même là, il travaille, comment il scie sa matière tous les matins pour aller aux champs, comment il prépare les œufs et tout, il mange. Allez, c'est la vie du village. Ça me plaisait. Depuis que tu es rentré ici là, de quoi? Que Thierry Agnès avec qui? Les Amazones du monde. Je ne suis pas d'accord. Même si c'est ça ou pas, c'est leur problème là-bas. C'est eux-mêmes qui savent. Donc, moi, je vais atterrir sur eux. J'ai fini d'avoir mes choses aussi. Mais non, je ne pense pas quand même. Donc, c'est la vieille maman là qu'on appelle Lisette Akoudou. Vraiment. Meta. Meta. Doubi senti. Aïe, aïe, aïe. Bigu, bigu senti. Tant qu'on le mi célébré. Attends. Ngossa. Je vais te toucher demain. Tomorrow. Tu voudrais que mon nom soit les coups. Aïe, aïe, aïe. Non, avec moi, c'est comme ça. Demain, je vais toucher Ngossa. Je vais d'abord aller regarder ce qui s'est passé. Si tu as vraiment pleuré. Aïe, aïe. Maman danse ce dimanche, non, maman? Battery medium. Connected to Galaxy IQ4 and Galaxy I03. Ça fait longtemps, je n'ai pas dansé. Charlotte Bango. Et j'ai aimé la femme. C'est pas ton pâté. Allez voir vos stars. Nous, on reste ici. Là, c'est moi que j'ai depuis des années. Un Charlotte Bango. Et. Oh là là, Charlotte Bango. Et vraiment. La vie. J'ai comme la moto. %, conçu par Google. Google Pixel 8. On a fait le programme la semaine prochaine. Donc, le programme la semaine prochaine. Ah oh, ben j'adorais la femme si. Vous aimez quand comme ça? Vous n'avez pas la joie de vivre? Cocaïne ma cosa. Vous n'avez pas tué que les belles. Vous n'avez ton ventre c'est muet. Et les cinq fesses qui n'ont jamais produit avec tes doigts. Tes doigts sont dans les veines. Je te prends demain. Je vais te parler demain, Linga.
Tu vois, j'ai rempli encore bien. Parce que on doit remplir. Oui, les autres, je vais vous montrer. J'ai ça comme ça. Quatre. Après, avant d'aller vivre à Saint-Moulin, madame ma vieillesse, je vais amener ça à la banque. Je vais acheter mes 600 euros dedans. Où sont les autres d'ailleurs? Bon, ça c'est pour payer les dettes, hein. Moi, ça c'est pour payer les dettes. Parce que je suis sûr que au Cameroun là-bas, on va me porter plainte là-bas. Je vais baisser ça. Oui. Pour moi, il faut que je baisse ça quelque part. Parce que je dois. Vous ne pouvez pas fermer les portes doucement. Je me mets la tête, hein. Tu vois, c'est toi qui parles comme ça, madame. Les cerises là, vous là. Non, je vais utiliser la petite boîte. Donc, sachez que. Non, non, non. Tu sais, ça ne m'intéresse pas trop même les histoires d'angoisse avec les petits filles là. Vous comprenez, non? Ça ne m'intéresse vraiment pas trop. Mais, je suis quand même curieuse de voir. Non, moi, je suis apprête. Moi, je suis de prête. Donc, les gens qui m'ont porté plainte là, moi j'ai déjà un peu d'argent. Vous vous souvenez de l'histoire? Les gens disent que je suis pauvre alors que j'ai l'argent chez moi. Si je prends ça là, je pars à la banque là. On va, parce qu'il y a une machine qui compte. Maman. Tu vois, que j'ai mis 200 euros là, même pas 200 euros. Je veux quand même dans les 50 euros, même 100 euros. Non. Ils vont d'abord sortir où? Oui, tu as raison. Je veux garder. Non, il y a d'autres ici. Hein. Oui, j'ai ça comme ça beaucoup. Comme ça. Depuis là où? Parce que ce qui est marrant, c'est que. Quand tu vas dans la boutique, dans le tunnel, ils sont contents de rembourser les centimes. Hein? Maman, tu me connais, il y a les jours que je pars comme ça avec ça. Je pose. Ah, maintenant, madame, elle dit que non. Elle dit que c'est la banque qui me rembourse ça. Mais c'est pas c'est vous qui me remboursez ça chaque fois que je viens ici. Alors, prenez votre argent calculé. Mais oui, quand tu vas à la banque va rembourser les centimes un jour, jamais. Mais ce sont des petits commerçants. C'est les anciens acteurs. Maman, qui? Il y a les jours que ma tête devient. Moi, je suis souvent comme ça, maman. Même quand les voitures passent, moi, je passe. Tu vois, tu me coules. Je suis comme ça. Dame, vous avez dit, madame, vous êtes content de. J'ai dit que je ne veux rien entendre. Calculer. C'est vous qui m'avez donné ça ici. Je vois combien de gens me regardent. J'ai dit, mais alors, passez là-bas de l'autre côté. Il y a beaucoup de guichets. Vous oubliez de rester dans les guichets ici. Et j'ai fait ça, j'ai le temps d'avant. Non, je voulais. Parce que c'est fait noir là-bas dedans. Non, toutes mes choses sont là. Hey, ma maison, c'est l'argent caché ici. Hein. Oui, c'est l'argent, non? Quand ça ne va pas, je vais aller changer. Vous allez voir quand je vais aller changer ça à la banque. Mais il faut que je vais mettre ça dans un cadre, je tire. Mais oui, j'ai ça comme ça. Donc j'ai dit qu'à Gosse, ça s'associe, elle veut pleurer. Gosse pute! La déchet de la nation, la rouillenton, la malade mentale. Regarde tes doigts. Tu m'agaces, regarde mes doigts. Moi, j'ai les veines, hein. Ah oui, j'ai les bonnes veines. Regarde tes doigts. Laisse pour l'injansa. L'injansa. Gosse pute, laisse l'injansa. Deviens comme moi. Moi, j'ai même un peu mis les. J'ai un peu mis même le bas de taille.
un peu de chaleur au du visage de mes joues là. Il est quelle heure? Et... Pardon, je vais vous laisser. Et... Je vais faire ça. Non, je dois. Il y a beaucoup de choses que je dois faire ici. Non, ils savent que je suis là, non, ils vont faire quoi avec? La personne qui veut porter ça pour partir avec, il va descendre l'escalier, vu que ça, le bruit va commencer. Quand on attend, il va me réveiller cela. Ouais. Oh. Coupez-moi la vidéo de Ngozi Speed là. Demain, je vais là. Je dis que elle et moi, on va recommencer la semaine-ci. Il faut qu'on la bat. On la met à terre. Sa copine. Ma co. Quelle copine? Hey! Maman! Tu n'es pas belle femme. Moi, voici, moi, je suis une belle femme, Gossa. Moi, j'ai coupé ici. Ici. De là jusque là. On m'a enlevé mon utérus. On m'a. Le nombril est passé. Ici. On m'a fessé ici, comme ça. Oui? Donc, toi aussi, hein? Donc, toi aussi, on t'a enlevé. C'est pour moi qu'on a enlevé, ou c'est pour qui? Moi, j'ai enlevé. Moi, j'ai pas tout enlevé, hein? Moi, j'ai enlevé au moins. J'ai mon endamangoué. Toi, tu as quoi? Rien. Tu m'as des trucs de sous-quartier. De chéri. De moulema. C'est bien fait pour toi de le moulema. C'est bien fait. Oui. Quand le moulema m'a ramassé ici. Mais arrêtez! Maman! Regarde! C'est sans pitié, Mbosa, c'est la mise à mort. C'est une chienne que, hein. Mbosa, on peut tenir son cul là par terre, je dis que. Une femme qui n'a jamais rien réalisé dans sa vie. Et pour qu'Amour serait encore chez son grand frère depuis des années. Elle dit qu'elle est jeune. C'est bon. Tu sais, cette histoire, si je ne sais même pas, je ne veux pas attaquer Ngozi sur ça parce que ce sont les choses des sous-quartiers. Je ne marche pas avec les filles sous-quartiers. Pas... Moi, j'aime quand elle m'attaque, moi, je l'attaque. Oui. C'est tout. Ngozi, c'est qui? Vous donnez l'importance aux chiennes, aux chiottes. Regardez-la. Qu'est-ce qu'il y a? Les woubous vous donnez quoi? Ben woubous vous ne vous a. Regarde les vieux bordels, les vieux pauvres femmes qui sont avec elle. Vous acceptez tout. Tatia qui continue à dire mon mari. Ton mari. Tatia, prenez ça. Non mais, Ngozi a le cancer. Ah. Ngozi a le cancer. Oui. Ngozi est malade. Et le cancer, je te dis. Hein? Demain, Ngozi, on va manger chinois. Oui. On peut au chinois, on va manger. Je t'invite, hein, si tu veux. Mais ouais, j'ai ma petite vie. Hein. Je m'en vais là maintenant. Là. Je dis que donnez-moi un paquet de cigarettes, on me donne. Donnez-moi un don, on me donne. Parce que dès que moi j'ai l'argent, je m'en vais payer. Moi, je suis avec la proximité. Jusqu'à elle danse. Ngozi, tu ne peux pas avoir un ventre plat comme pour moi. Jusqu'à elle danse comme ça. Et, tu es obligé, maman. Ngozi, toi et moi, c'est une place. Mais je vais comment aller écouter. Parce que demain, toi et moi, on va animer cette vidéo. Je te lâche pas dedans. Tu es vraiment une chienne comme ça. Une provolote. Qui insulte les mamans des gens. Tu dis que ma mère a fait quoi? Que ma mère est malade, tu connais ma maman est millienne à moi. Comment on fait ta maman? Tu vas, dis-toi si elle. Comment on fait ta maman? C'est bon, ce serait l'an 2000, t'as dit, hein? Nous tous on va au tribunal. Si je parle que je peux avoir peur de l'an 2000, maman, qu'il m'essaye au pays, on va faire ça dur. Regarde-moi une bande d'électriques. Je l'ai dit, je l'ai fait que vraiment. Je te dis seulement que, hein? Ngozi, quand tu te vois même au bazar, voilà tes gens qui vont te tuer. Je te dis, quand tu marches à Paris, hein, reste là-bas, Rouen, même à Rouen, on va venir te faire le guet, on va te tabasser là-bas un jour. Maman, c'est comme donner Moulema. Eh, Andalo, Adou,
Maman. Maman, va te reposer, ma. Tu sais bien même là. Tu montres quoi? Tu as fait quoi dans ta vie? La gueule que tu as, c'est la gueule. Comme tu as profité que ta copine s'est un peu calmée, toi tu as dit que non, tu vas faire la gueule aux gens. Parce qu'on dit ma pépé, tu n'as même pas encore 5. Tu es à 5 ans. Avec tout le monde qui vient chez toi, quand tu le console, la personne s'abonne dans ta page. Oh! Venez me calmer, venez me. Allons, allons. J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Maman, cherche mon argent. On est temps aussi, mais comment la radio? Anti. Maman, j'ai chéri, chéri, je veux voir quelqu'un là. Maman. Ah, ça va. Paris est doux. Allons. Désolé, la prochaine fois, je vous amène avec moi. Hein. Oh, il faut que j'achète les petits babouches là. Les petites chaussettes là pour les pieds. Là. Non, j'ai quelqu'un du quartier que je veux voir. Non, mais j'ai chéri, chéri. Hey, maman, mais what else? Oh, moi, une place. Après, la nuit, ouais, elle va danser là-bas, chez chéri, chéri. Je te dis. Je vous dis mes wallos. Il y a des gens que vraiment. Hein. Maman avait mon sac sang. Le sac de valeur. C'est un sac de pauvres femmes. Moi, maman. Je regarde voir si je n'ai pas tout. Je donnais ne ma couleur pour ça pour la main. Maman. Hey! Antienne. Voilà. Il y a tout y est. Pardon. C'est le prénom de téléphone. Oh. Donc, je veux prendre notre téléphone. Un gosse, putain. C'est la paix du quartier. Vous l'avez laissé. Elle danse, elle pour qu'elle est belle. Tu n'es pas belle, Gossa. Regarde tout. Si moi j'avais même vos gens là qui courent derrière vous là. Vous avez même les gens qui courent derrière vous. Vous ne pas gagner, mia. Les gens vous aiment, maman. Vous avez des teams. Les gens vous aiment. Moi je n'ai pas moi de team. Personne ne m'aime. Ce n'est pas grave. Si elle veut même comme vous voulez, j'ai des gens comme les Nancy derrière moi. Les Ndolo Mourema. Tout le monde que tu as chassé là, les pâmes sont derrière moi, maman. Je veux les chasser pour rester avec qui? Pour montrer que tu es quelqu'un. C'est l'amour qui t'a. Je suis sûr que l'année, tu ne vas pas passer. Moi, je suis après. Hein. Toi, hein, tu vas errer. C'est même si on dit que tu es die. Il ne peut même pas passer. Au contraire, il veut danser le jour là jusqu'à. Vous connaissez, non? Jerry n'est plus avec un gars. Ah, bon, Jerry. Ah, que bon, Jerry. Avec toutes les filles Bassa qui sont aussi dehors. C'est la déchet là que tu allais chercher. La déchet. Je dis, hein. Donc, Thierry partait d'abord pour rester avec qui? Hein, Thierry? J'espère que tu n'es pas seulement allé. Tu n'es pas seulement allé. Hein. Tu n'es pas parti pour revenir, hein. Vraiment. Nous n'avons que nous sommes les bien. Nous si nous sommes les bien de femmes. Nous, on n'est pas possible vous entretenir. Comme vous aimez quand vous entretiez là. Ici, c'est que toi-même, tu pètes en kebab, tu viens manger, parce que chez moi, hein, c'est pas ça. Hein. Moi, je ne veux pas manger, préparer un bongo chobi pour toi. Hein. Genga, 60 ans. Ah bon? Que? Toi? Merde. Et vas-y, vas-y. C'est l'os, l'os. Os, os. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'était...